Cousico avec étagère et Mage. Bonjour. Bonjour les copains, bonjour les copines. Ça fait 1200 ans. Waouh, ça fait bizarre. C'est un petit peu étrange, mais en même temps, c'est un petit peu mérité. C'est les émotions. Excusez-moi là, les émotions. Ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas vu. Vous vous souvenez d'Iconodur? Est-ce que vous vous souvenez des aventures d'Iconodur? Pas nous. Pas nous, mais... Non, mais nous, on est aux fraises. Mais vous savez pas à quel point on est aux fraises. C'est dommage que vous êtes au même niveau que moi, du coup. Ça fait plaisir. Oui, mais justement, nous, on le fait exprès, mais c'est comme ça, on est au même niveau que cette personne qui apparaît pour l'épisode peut-être 60 des bananes. 61. C'est logique d'arriver à ce moment-là. Et qui refait, mais à qui on va distribuer un tiers des voix alors qu'il a jamais joué au jeu. Elle a Letty, là. Elle fait acte de présence, rien de rien plus. De plus. Rien de plus, hein. C'est pas ça qui était là-dessus. Écoute, débat parallèle, Letty. Quoi? Acte de elle présence. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Ah, mais on n'est pas à la fac encore? Mais non, bah pas non, à la fac. Bah non. On est à peine fin de collège, début de lycée, ou je sais pas quoi. Alors, la nouveauté, c'est High que... High school life, lycée. Mage va nous accompagner, du coup, sur cette reprise Iconoblast pour Amour Sucré. Donc, il sera présent. Il fera un tiers des voix, lui aussi. Je conserve la voix d'Iconodur. Par contre, je préviens. On n'a aucune idée de qui faisait quoi et comment est-ce qu'on faisait. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il a son bloc-notes, là. Il est là en mode... Okay, ouais, non, mais moi, je prends des notes pour les voix qu'on va faire. Parce que... Non, mais... Du coup, ce que je propose, c'est Victor qui fait la voix de Letty. Au moins, on commence par ça. Au moins, on commence par ça. Du coup, c'est moi qui commence. Oui. Letty! C'est une ancienne camarade de classe, elle était dans la même lycée que Quentin et moi. Tu fais les voix de l'Iconodur qui pense. Pourquoi l'Iconodur elle pense en accent du sud? Continue, pose pas de questions. Non, ça c'est le retour. C'est toi qui fais la voix du coup, ça c'est moi. Là tu fais la bulle. Ah, tu fais la bulle mais dans la voix que tu veux. Ah, c'est fou. T'as l'air vachement plus sûr de toi. Je t'avais presque pas reconnu. Ah, tu trouves que j'ai l'air que tu me reconnais pas? Excusez-nous. C'est l'émotion, ok? Ouais! T'as l'air moins timide! C'est moi parce que l'autre binoclaire a fini par te laisser tranquille! Ma pauvre! Le nombre de fois que je t'ai plaint! Il foutait vraiment trop la honte, ce con! Tu parles de Kentin! Kentin Miura! C'est lui-même! Non. J'ai pas le droit? Non, t'as pas le droit! Tu n'as pas le droit de faire ça! J'ai pas le droit de Kentaro Miura? Ah, c'est sûr que... Bon, Ken déjà là? Tu parles de Ken, pas encore. Ah. Tu parles de Kenten! Tu sais, il m'a suivi dans mon nouveau lycée. Kenten, c'est le mec avec la montre? Oui. Ah. Oh la vache! Ma pauvre! Moi qui pensais que son père l'avait envoyé dans une école militaire! Mais il l'a fait, figure-toi! Mais après! D'ailleurs, il est méconnaissable maintenant. Tu serais surprise à quel point il est un cul. Wow. C'est une présence fantomatique, genre là, elle est en train de passer. Tu sais, moi, pour que je sois surprise, il faudrait qu'il ait pris 20 cm. 20 cm. Et je parle pas de sa taille. Les abdos. Qu'il ait lâché ses horribles lunettes et changé de coupe de cheveux. On a parlé de pénis en plein milieu. Et c'est exactement ça. Mais c'est compliqué parce qu'il me semble que t'en as une de tes personnages qui a une voix du sud. Oui, mais c'est peut-être une autre voix maintenant. La question ne se pose pas. Ça se perd l'accent du sud, hein. C'est quoi ces discussions? Oui, c'est bizarre. Moi, je reviens, c'est toujours aussi toxique qu'avant. Alors, du coup, c'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi. Non, c'est toujours toi. Comment tu connais là, le là. Nord, bah là, c'est toi, c'est ta bulle. D'accord. Alors, ton nouveau lycée, il y a des beaux garçons? Y a oui des... Oh, putain. Oui, oh oui. Ouh là là, quand Letty s'est lancée sur le sujet, c'est mauvais signe, hein. Tarpé. Oh là 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 là. La chance. Je n'ai pas eu de petite amie depuis des siècles, je peux te dire que ça me démange. Ceux de notre lycée sont nuls. Alors si je peux me permettre une interruption, moi vraiment, une ado au lycée qui me dit « j'ai pas eu de petite amie depuis des siècles », c'est l'ambiance... Non mais... Alors non, ça l'est spécial, hein. C'est l'ambiance Totally Spies, moi je suis dans mon élément, tu vois. C'est Clover. C'est Clover. Mais t'étais pas avec Maël? Je sais pas qui c'est, Maël. Si, j'étais avec Christophe Maé. Mais finalement, il était moins beau sans son piercing. Jérémy aussi, d'ailleurs. Jérémy? Oh là là, y a du monde, hein. Oui, tu te rappelles? Le grand bras qui était derrière nous en cours de maths. Celui qui arrêtait pas de se toucher les abdos en cours. Je suis sorti avec lui après Julien, après Théo, après
depuis une semaine. Elle a 15 ans. Et t'appelles ça une éternité? Non, mais elle s'amuse, c'est bien. Quoi, non, mais c'est quoi le ratio, du coup, en temps, là, pour tout ce monde? Ah, mais c'est, mais c'est une authentique alpha, hein, elle nous soulève à la chaîne. C'est des quêtes journalières, le truc. Non, c'est des quêtes journalières, vraiment, mais c'est... Elle est le boy slayer, tu vois, oh, c'est le guts de la séduction. Je dis ça sans ambiguïté, moi je suis frustré parce que j'ai pas eu tout ça, tu vois, en mode... Non. Tu n'as pas eu Kevin, Daniel, non. Mehdi et Théo? J'ai et pas non. eu des scores aussi. Ça fait un par trimestre. Ah oui. Bah ouais. Bah ouais. Je n'ai pas été seul aussi longtemps. C'est le gros souci avec Oletty. Elle est très gentille, mais que ce qu'elle est conne, oh putain. Pourquoi? Mais alors du coup, moi j'aimerais savoir pourquoi Iconodur pense en marseillais. Parce que à un moment, pendant les 3 ans, en fait, elle est allée s'entraîner sur la canebière. Non, elle est restée bloquée face à Letty. Non, elle est allée s'entraîner. Putain, ça fait 3 ans. Ça fait canoniquement 3 ans qu'elle est bloquée face à Letty. Et elles attendent. Et elles ne se parlent pas. Pour ça, c'est pour ça qu'elle a une batte de baseball, normalement. Alors, oui. Au début, je croyais que c'était un parapluie, mais non, c'est une batte de baseball. Non, mais nous-mêmes, on n'est plus très au fait de ce qu'on a fait avec ce personnage. C'est pas le meilleur endroit pour discuter. Viens avec moi. On va aller faire un tour dehors. Ah, mais je suis désolé, je peux pas, je suis avec quelqu'un. Et même s'il est agaçant, il m'a bien aidé tout à l'heure. Tu es venu avec tes nouvelles amies? Pas tout à fait. Oh. À vrai dire, j'ai eu une absence de 3 ans, je sais plus avec qui je suis. Qu'est-ce qu'on fout ici? Ah, c'est Daté. Alors, Daké, c'est un surfeur, je m'en souviens. Tu peux faire la voix de surfeur ou je fais la voix de surfeur? C'est quoi la voix de surfeur? C'est excuse-moi de t'avoir fait attendre, Iconodur. C'est un peu sa farte. Ah, genre. Je l'avais pas vu depuis longtemps, je me souvenais pas qu'il parlait autant. Excuse-moi. Ouais. Suite. Non, bah, c'est du sud. Oh, bonjour mademoiselle, ça farte. Bonjour mademoiselle, qui se presse dans l'allée. Il a vu Letty. Daké, voici Letty, une amie de mon ancien lycée. Non, mais ce qui a évolué du coup, c'est que maintenant, pour moi, vraiment, la voix off de Iconodur, il y a Speedwagon de Jojo, il est là dans un coin. Oh, il a vu Letty. Il a vu Letty. Enchanté. Ça farte. Suite. Point. Oh. Moi aussi. C'est parti pour le show. Allez, à sauter un bras. Ça y est, elle en chasse. Allez, en chasse. Elle a équipé son épée. Dis-moi. Pour Daké. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu fréquentes quel lycée? Que je m'y inscrive tout de suite! Tiens, c'est marrant! Daké m'avait dit quelque chose de similaire la dernière fois! Oh, c'est la réunion des cabots là! Oula, doucement! Je m'appelle Daké, je viens d'Australie! Je suis pas. Ah, je devrais lui faire un accent australien? C'est très compliqué! Alors, en anglais, je conçois, ouais, mais. Je m'appelle Dek, je suis d'Australie, je suis ici pour une semaine! Mais c'est la c'est voix, bon. C'est la voix du président Bush dans les Simpsons. Oui, c'est totalement ça. Dans les Guignols. Allez, on garde le président Bush. Suite. Oh, c'est pas grave. Hein. En une semaine, il s'en passe des choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'éthique? Voilà qui est intéressant. Je pourrais le caser avec Dake et me débarrasser de lui tout en douceur. Ah, parce que tu veux pas. Ou alors je dis que c'est mon Dake. Faut que je lui fasse comprendre qu'il compte pour moi. Est-ce qu'on garde Daké? Moi, honnêtement, je serais pas pour. Moi, je m'oppose pas. Alors, à la grande conquête des hommes de Letty, le boy slayer. De toute manière, ça dure pas longtemps. Puis Iconodur, elle est. C'est bon, elle peut trouver n'importe qui. Oui, c'est elle ça. Se penche, elle éternue, elle en trouve 10. C'est ça. Et puis, il mérite pas Iconodur. Voilà qui est intéressant. Je pourrais caser Daik avec me débarrasser de lui en toute douceur. Donc là, tu les lâches dans le bras d'une prédatrice. Ah, mais du coup, il faut donc que là, ils ont activé une boule de fumée ninja, faut les retrouver. Iconodur! Letty m'a attrapé les bras pour me tirer en arrière! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit ami? T'aurais pu demander avant de lui sauter dans les bras quand même, c'est pas sympa! Je suis désolé, tu sais comment je suis! Hein, il est vraiment mignon, c'était un réflexe! Ici, y a pas d'amitié, ici c'est elle déployée, mon pote! C'est les zones PVP, tu sais ce que c'est! Tu vas équiper ta Dora là? Non! Absolument pas, c'est pas mon copain, on a juste Ken une fois. Oh, c'est vraiment super ce que tu me dis là. Tu pourrais essayer de m'arranger un coup avec lui? Il est trop
Bon! Alors je veux bien, mais je ne vois pas trop quoi faire. D'ordinaire, tu réussis de sortir avec les garçons tout seul, et je t'avoue que je m'en fous un peu. Oui, mais ce sont des garçons de mon lycée, hein, tu sais, on joue à domicile. Je les connais, je sais ce qu'ils aiment. Je sais rien de... Thomas, là, c'est d'accord. Ça? D'accord! Ah, pardon! D'accord! Oui! Je ne sais rien de Daquet! Tu peux m'aider? Oui! Eh bien, je sais pas grand chose non plus, à part qu'on a déjà surfé ensemble une fois, et qu'on a Ken! Oh, surfé? Vous étiez tout nu donc? Oh là 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 là! C'est trop. Comment t'arrives à déduire qu'on était tout nu sur une planche de surf? C'est pas logique, ça percute pas normalement! Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on surfe! Allez, viens! On va aller à Vingir! Non! Enfin, pourquoi? Tu vas voir, j'ai une idée! Fermez la discussion! C'est où? C'est là, Vingir! Pourquoi vous voulez vous rendre par ici? Ça l'était qu'à demander! C'est du harcèlement en fait! Oui, c'est du harcèlement! Je voulais voir s'ils ont pas des revues pour apprendre à surfer et à faire des backflips! J'aimerais bien m'y mettre un jour! Suite! Faire des backflips! Ce n'est pas ici que vous arriverez les vagues! Du coin sont loin d'être les meilleurs. Il n'y a pas de vagues en fait, il n'y a pas de plage du tout. C'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée, il n'y a pas de vagues, je sais de quoi je parle. Sweet. Hop 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 hop, déjà tu parles bien de ma mère, et ensuite je vais essayer quand même. Elle a pris un volume épais intitulé Le surf pour les débutants. Repose-moi ça, le surf c'est tout un art, et ne s'apprend pas dans les bocs. Ok, gros baiser. Suite. Et comment tu peux le savoir? Suite. Suite. Bah parce que c'est un de mes nombreux hobbies. Non, ça c'est... Il a écrit mes hobbies. C'est un de mes hobbies. C'est un de mes hobbies. J'adore les hobbies. C'est un peu comme des hobbits, mais en plus petit. Comme si elle ne le savait pas. Oh, c'est un hasard, hein, vraiment. Tu voudrais bien m'apprendre à en faire, alors? Je suis sûr que tu vaux au moins 100 fois mieux que ce gros, gros, gros volume. Ah d'accord, bah c'était ça son plan, bah d'accord. C'est l'occasion se présente, pourquoi pas. Vous devriez y aller maintenant. Letty ne parle que de ça en classe. Oh. Je croyais que c'était une ancienne camarade de classe. Camarade de classe. Bah ça prouve qu'elle parle depuis vraiment longtemps. On en reparlera, d'accord? Comme tu veux. Mince, il a l'air un peu réticent. Va falloir trouver autre chose. Si t'as 50 balles, je peux t'acheter les mêmes lunettes que lui. Quoi? Mais c'est quel genre de pote, ça? C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan? Genre, t'as 50 balles. Je peux t'acheter les mêmes lunettes. Ça fait quoi? 50 balles pour des lunettes? C'est le prix de mes chaussures. Je suis pas la seule à dépenser des sommes astronomiques pour des vêtements ou des accessoires. Puisque les points communs ne fonctionnent pas, on va tenter la carte. C'est du caution. Tu penses à quoi? Parce que... Mais c'est de la triche. Moi, j'achète tout le temps des trucs méga chers pour avancer dans mes histoires, et puis toi, t'as dit non, c'est bon, ça passe. Oui, c'est ça, alors... Il y a un magasin de vêtements très spéciaux. Pas oui, mais il est pour hommes. C'est bien ce que j'ai dit, il est spéciaux. Alors on va tenter le magasin de lingerie. Quoi? Nani? Quoi? Oh là là. Bah dis donc, ça escalade plus vite. Escalator, comme on dit. Le amour sucré, il a changé. Ah. Oh Letty, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Alors qu'on dirait une tenue des années 50. Là. Je te jure que la première chose mais que tu j'ai juges. Vu dessus... Non mais je juge, non, mais oui, c'est y a rien à... Enfin, c'est... J'ai vraiment cru que c'était des fleurs de lys là-dessus, genre ambiance lingerie royaliste. Oui, non mais c'est ça. Non, mais, je suis d'accord, c'est la même idée que j'ai eue. Oh mon dieu, Letty, qu'est-ce que tu viens de faire? Alors, un nouveau maillot de bain. Ouf, ce n'était que ça. J'ai bien cru que... le cul. Mais pourquoi acheter un maillot de bain maintenant? Il fait froid, c'est l'hiver. Pourquoi il nous suit, déjà? Parce que comme ça, j'aurai de quoi aller à la plage pour apprendre à surfer dès aujourd'hui. Suite. Décidément, vous êtes bien trouvés toutes les deux. Aussi bonnes l'un que l'autre, je vous propose dormir dans mon lit toutes les deux ce soir. Je ne te le fais pas dire. Tiens, regarde, Drake, lequel tu préfères? Le violet, le rouge ou rien du tout? Ils sont jolis!
elle est instable mentalement, elle gueule, ils sont jolis dans sa tête. Ouais, mais c'est vraiment... elle est énervée. Je n'aime pas les une pièce, je préfère quand il y a peu de... Mais c'est quoi travail de suggestion à faire. C'est quoi ce vieux dégueulasse là? Oh, le prédateur. Le prédateur, vas-y. Suite. Je préfère le pas de pièce du tout. Je préfère le pas de pièce. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris le surf à Iconodur. Le pas de pièce. Oh, bah je vais prendre ce bikini là. Il est beaucoup bien mieux. Prends des notes, Iconodur. Ça, c'est la séduction. Ça t'aidera avec les beaux garçons de ton lycée. Montrez ton cul. Je me vois mal proposer aux garçons de mon lycée choisir ma tenue. C'est pas cool, en vrai, Letty. Tu devrais te poser quand même quelques questions. Ils sont coincés? Non, disons que c'est pas trop mon genre. Non, mais ils sont coincés ou pas? Dans une salle. La salle du temps et de l'esprit, là. Tu es trop timide. Il faut savoir prendre les devants. Je trouvais que tu avais l'air plus assuré. Et au final, tu n'en as que l'air, salope. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben ça, vous le saurez. Dans le prochain épisode... Bisous, toutou. Pourquoi elle est aussi... Bisous. Alors, moi, c'est mon baptême du feu, donc j'ai du mal à suivre le rythme. Mais pourquoi il y a autant d'agressions en permanence que... Là, elle vient de se faire rose, Tico de Dur. Oui. Ouais. En mode, oh là, ça me touche. Oh là là. Allez, bisous, toutou. Au revoir, à très vite.